se dort. Pourquoi l'araignée fait d'une toile son décor? Est-ce qu'une vache peut vraiment voler? Tout ça n'aura plus aucun secret, car on a une carte qui nous éclaire. On a une carte. On peut éclaircir tous ces mystères. Bonjour. On a une carte. Dès que l'on demande et qu'on y croit, la carte magique nous répond chaque fois. Hé, regarde, c'est la maison d'Humpty. Je n'avais jamais remarqué qu'elle ressemblait à sa tête. C'est vrai? Je suis sûre que tu penses la même chose que moi. Tu penses que ma maison serait bizarre si elle avait la même forme que ma tête? Non, je me demande pourquoi Humpty colle toujours un petit pansement là-haut. Si on pose la question à la carte magique, je pense qu'elle nous répondra. Carte magique, toi qui sais tout, dis-moi, pourquoi il y a sur le front d'Humpty un petit pansement? Je vais en pique-nique avec Jack et Jill. Alors maintenant, les sandwichs. Et voilà, ils sont là. Aïe! Oh, oh non! Oh, ce n'est pas joli. Il faudrait surtout que j'évite de me cogner encore. Oh, mais oui, un coussin. Je le mets là et il va y rester. Ah, c'est parfait. Bon, alors, qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, mon livre. Pas de pique-nique réussi sans un livre. Ah, 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 voilà mon livre préféré. Oh, 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 oh. Il y a des objets partout. Comment faire pour ne pas me cogner? Hein? Mais bien sûr. C'est mieux. Bonjour, Jack. Ah! Oh non, évidemment, je n'ai pas pensé à tout. Ça va aller? Wow, qu'est-ce qui s'est passé dans ta maison? Eh bien, je n'arrête pas de me cogner la tête au même endroit. Alors les coussins me protègent. Je suis assez fière d'avoir eu cette idée. Tu aurais aussi pu protéger ta tête là où tu te cognes. Je n'y ai pas pensé. Comme ça. Oh, c'est joli. Et ça me donne un petit côté aventurier. Voilà, on sait pourquoi Humpty a ce pansement sur la tête. Et pourquoi il emporte toujours un livre quand il va pique-niquer. Tilgru. Merci, carte magique.